j'ai oublié de vous le signaler. C'est Limahl, Limahl qui est là aujourd'hui. Hi Limahl, you are not late, we are in advance. That's not your fault. Alors je lui explique que c'est pas lui qui est en retard, c'est nous qui étions en avance. You're gonna sing your love song, Love in Your Eyes. Il va chanter Love in Your Eyes tout à l'heure. We are very pleased to meet you. Oui. You speak French? No, je peux te... Ouais, voilà, c'est ça, comme d'habitude. Est-ce que tu parles français? Non, je, tout petit, parle français. On écoutera Limahl tout à l'heure, sa chanson. Mais on va la chanson, et je crois que Limahl en est un vivant exemple. Limahl, I said, Limahl, je t'ai dit, we are very pleased to meet you. Nous sommes très contents de te recevoir. You are a great star, tu es une grande star. You are a former member of Kajagoogoo, tu es un ancien membre d'un groupe qui s'appelait Kajagoogoo. Mm-hmm. Is it a good souvenir for you? C'est un bon souvenir pour toi? Well, a record with a hit the size of Too Shy all over the world is good for any career. Voilà. Alors, il explique effectivement, il me dit, c'est un bon souvenir forcément, puisque lorsqu'on enregistre un disque avec un tube de la taille de Too Shy, je pense que vous vous souvenez de cette chanson, Hush Hush, Eye to Eye, c'était comme ça, et c'est forcément bon pour la carrière. Your new song is called Love in Your Eyes. Well, I think you can stand up and go and sing this new song. Il va se lever parce qu'il va chanter en direct. Je ne sais pas si on va pouvoir apercevoir ses yeux. Ça, c'est un petit peu le mystère de la chanson. En tous les cas, on va pouvoir... L'amour dans tes yeux, c'est ça. Voilà. Oui, je te le dis, regarde-moi. L'amour dans tes yeux, voilà. Je t'explique ça comme ça. C'est la nouvelle chanson de Limahl. On l'écoute tout de suite. Love in Your Eyes, Limahl. Something special.
Bravo. Bon, voilà, il peut revenir nous rejoindre, Limahl. Limahl, maybe I make a mistake, peut-être je me trompe, peut-être est-ce que je me trompe, but I think you change your haircut, je pense que tu as changé de coiffure. I cut it 6 months ago. Ah bon, il les a coupés il y a 6 mois. This is your new haircut, your new look, c'est ton nouveau it look. It was long for 3 years, so I was ready for a change. Voilà, ça faisait 3 ans qu'il les avait longs, effectivement, il était temps qu'il change un peu. I was told, on m'a dit, you were about to be blind. On m'a dit que tu as manqué, tu as failli être aveugle. Is it true? Est-ce que c'est vrai? Well, the newspapers have a habit, as you know, of making everything sensational. Alors, I had a reaction in my alors eyes. Les journaux ont l'habitude d'amplifier un petit peu les événements comme ça. Il a eu une réaction. What kind of reaction? Just they had so many. They had 3 contact lenses in my eyes for the video. Ouf. And you know, my eyes never have contact lenses, so it was very painful. Voilà. 2 days later, you know, his eyes were sore and liquid was coming out. Alors c'est quand même une histoire extraordinaire qu'il vient de nous raconter. Il a tourné un vidéoclip et comme la chanson s'appelle Love in Your Eyes, on a voulu lui faire des yeux un petit peu bizarres. On lui a collé 3 lentilles de contact sur les yeux. Et évidemment, parce qu'il ne porte jamais de lentilles de contact, eh bien ses yeux ont réagi et c'était très très douloureux. Limahl, thank you for all. Merci pour tout, Limahl. Je regarde un petit peu ma montre. Je ne sais pas, est-ce qu'on a encore le temps de faire un tout petit tour? Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je voulais faire encore un petit tour du côté du salon de l'automobile, mais ça fait rien. Il dure encore. Quelques jours, le salon de l'auto. Hein. On aura le temps d'y aller une autre fois dans la vie à plein temps. Les avions, je vous remercie. Vous savez déjà quand vous revenez pour votre prochain titre, Bebop? Je crois que c'est en novembre. C'est en novembre. Bon, et ce n'est pas un titre orthodoxe. Ce n'est pas un titre orthodoxe. Voilà. Allez, on continue. Ça les a beaucoup marqué, le voyage du pape de Jean-Paul II à Lyon. Merci à Philippe Nourry pour la biographie de Juan Carlos publiée aux éditions du Centurion. Et merci à Léo Palacio. Oui, tiens, je vois quelqu'un qui fait un signe. Merci à Léo Palacio pour la Maldonne espagnol publié aux éditions Priva. On vous souhaite un très bon appétit. On vous dit au revoir tout de suite. Vous retrouvez votre feuilleton de Malamour. Nous, on se retrouve lundi en pleine forme. Au revoir. Très bon.